Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Tu connais les règles du jeu par cœur, si tu rigoles, tu dégages. Attention au chien. C'est quoi ce chien? On dirait un croisement entre une vache et un teckel. Si comme moi t'as envie de rire, c'est que ton humour est aussi cassé que le mien. T'as le bébé en mode psychédélique. T'as les petits mouvements à la fin en mode ouh. Le cri de la mort, mais moi j'aurais même peur d'acheter parce que ce genre de meuf, mais on dirait la mère là avec la claquette qui va t'en foutre une dans la gueule. Pour un beignet acheté, une claquette dans la gueule offerte. Mais what? Mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce qui... POV quand t'es en vacances avec tes potes. Monter à bord comme un boss. Ouais, ils ont pas l'air d'être comme des boss, hein, les trois premiers, là. Il y en a un qui va glisser directement dans le bateau. Bah ça va. Oh, le copain qui fait chier, qui gâche les vacances. C'est trop méchant, my god! Mais pourtant, ça marche trop bien avec la musique. Bravo. Ouais, alors moi aussi, j'ai eu ma dose de commentaires comme ça et j'étais là en mode... Ok, c'est gênant. What? Ah bah alors là, c'est sûr que tu peux pas te plaindre. Jésus le protège pas, hein. C'est pas drôle. Hein. Alors le pire des cas, si ça marche pas avec Jésus, tu peux changer de religion, je sais pas. Hein. C'est juste une idée comme ça. Hein. Hey, mais les gars, moi je suis tellement pauvre que je ne savais pas qu'il y a certaines tables de billard qui peuvent changer de sens. Voilà. Moi, si je mets une table de billard dans mon salon, les gars, bah en fait, c'est plus un salon quoi, c'est genre une table de billard. Mais qu'est-ce qu'il a attrapé? Non, c'est méchant. Non, je vous interdis de rigoler. Ça va, aujourd'hui je me débrouille plutôt bien. Hein. Oh le voleur! Eh, c'est bon, enfin, c'est un petit singe, tu peux quand même récupérer tes affaires, non? Mais non, t'es obligé de faire du troc avec le singe! Non, j'ai rigolé, mais ça me saoule. Mais moi, à chaque fois, j'oublie en fait ce que je suis en train de faire. Ça a commencé depuis 2-3 minutes et moi, déjà, ben là, je suis en train de rigoler parce que, voilà, mémoire de poisson rouge. Comme j'ai dit toujours, un tour de bocal et puis, t'as tout oublié. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Un cunnilingus, c'est des pattes? Non? Dans une fellation? Fellation, c'est quoi ça? Attends, je vais regarder. Mais non, mais frère, tu te fous de notre gueule, là, c'est pas possible. Oui, mais non. Fellation cunnilingus. Sexe oral. Comment réussir son... C'est pas des pattes, hein. Ce couple se fait... Ok. Oh. Attends, je vais voir les... C'est pas des pattes. Non, c'est pas des pattes. Souvent, on pense pas que j'ai 48 ans. En général, on me donne 35. Je te voudrais pas un petit peu de notre gueule, là? Oui, je sais, moi aussi, j'ai 30 ans et du coup, on me donne 15 ans en général. Mais meuf, tu te fous de notre gueule?
Mais non! Bravo, 10 sur 10 pour la mise en scène, les gars. Ce qui m'est arrivé, j'ai voulu garer ma voiture. Là. Et elle était garée devant et tout. Je vous explique, je me suis fait voler mes affaires dans ma voiture. Mais ouais, mais écoutez-moi bien. Par des voleurs hyper polis. Oh là, ils étaient trop polis. Ils ont rien cassé. Ils ont tout volé, mais ils ont déposé mes papiers et tout, genre. J'avais un deuxième téléphone. Oh là, ils m'ont laissé. Genre, ils ont pris ma sacoche Dior. Ils ont volé. Mais genre, ils ont laissé le téléphone et tout. Oh là, je leur en veux pas. Genre, je suis satisfait du service. Ils ont été mais cool. Non. Ils ont été propres. La voiture, elle était bien rangée. D'habitude, les voleurs, ils cassent tout. Là, carré. Oh là, je recommande. Je recommande. Non, moi, je recommande pas. Non, merci. Je veux pas. Je veux pas de ces services-là. Ça va aller, merci. Par contre, moment histoire. La seule fois où je me suis fait arracher mon sac à main, en fait, ben, j'avais, je sais pas, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. J'étais allée dormir chez une copine. Et la seule chose qu'il y avait dans mon sac à main, ben, c'était mes pyjamas et une culotte sale. Voilà. Sincèrement, j'aurais payé pour voir la gueule du mec quand il ouvre le sac et qu'il voit la culotte et le pyjama en mode oh my god. Mais ça, c'est le butin de l'année, les gars. C'est le jackpot. Yes! C'est la seule version de cette musique que je peux vous mettre sur YouTube sans risquer d'être démonétisée. Sincèrement, j'espère que je vais pouvoir vous mettre cette vidéo. Oh non. Elle avait paniqué un petit peu quand même. Bah, il sort rapide, mon gars. Putain, le mec, il se met au bureau en mode ni vu ni connu. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!